Salut! Je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur cette page. Je suis la reine Kobo. Mon but, c'est de vous aider à pouvoir être conscient spirituellement d'abord. Faire votre propre analyse de votre vie. Qu'est-ce qui m'a bloqué? Pourquoi je suis comme ça? Ok? Pourquoi mes choses ne marchent pas? Et quand vous savez que ça ne marche pas, de vous poser aussi les bonnes questions après. Ne pas vous laisser aveugler par le travail ou encore l'ignorance de vos parents. Donc je vais me pencher sur les malédictions générationnelles aujourd'hui. Je ne vais pas être long dans la vidéo. Donc si vous venez d'arriver, partagez s'il vous plaît. Vous savez que il y a des familles où, quand vous regardez votre vie, vous regardez vos cousines, vous regardez vos cousins. Tu t'es marié, tu as divorcé. Donc il est parti. Ta cousine s'est mariée, il est parti. Donc, vous avez un 5 dans votre famille. Vous êtes tous au pays, personne n'est parti en Europe. La seule personne sur 15 petits-fils qui est parti en Europe, il a galéré même pendant 15 ans avant d'avoir quelque chose. Ou encore, tous les garçons de la famille, ils finissent l'école, ils ont la licence, on ne les emploie jamais. Bonjour le roi Feuillot. On ne les emploie jamais. Je vous dis tout le temps que ce n'est pas le temps qui va résoudre vos problèmes. C'est l'action. Une malédiction générationnelle, en fait, c'est quelque chose que ton grand-père a passé à ton père. Ton père t'a passé. Toi, tu as 30 ans, 45 ans. Tu as Dieu dans ça et tu nages toi. Et la maladie générationnelle vient en fait avec les excuses de ça. Ah, tu sais, dans ma famille, on n'a pas conçu avant 40 ans. Hein. Toi, tu peux conçu à 19 ans. Tu sais, dans ma famille, on n'a pas fait ceci avant tel âge. Non, mon père, sa femme l'a tout fait comme ça, sa femme l'a menacé. Ta femme, elle a été menace. Dis donc, même mon père avait vécu ça. Et beaucoup d'entre vous, je vous prends en consultation, vos parents n'ont rien fait pour vous. Il y a même une que j'ai eue ce matin. C'est une choisie. Et son esprit est tellement fort que son esprit la guide. Elle dit qu'elle reste comme ça. Elle dit qu'il faut qu'elle achète le dope. D'ailleurs, cela quelques mois, elle a acheté le dope. Bonjour, bonjour la reine Maïmouna, bonjour le roi Meko. Elle est censée acheter le dope. Elle m'a dit qu'elle ne sait pas pourquoi il fallait qu'elle achète le dope. Elle reste dans, elle dit que, il y a ça quelques mois, elle dit qu'il faut que je fasse le saraka. Sa mère a refusé. Que les gens, ils ont fait quoi dans ma vie pour que tu partes leur donner à manger? Vous voyez comment vos parents vous bloquent? Peut-être que tu es en Europe, tu envoies souvent, supposons mensuellement, tu donnes 50 000 à ta mère. Et là, tu reçois dans ton esprit qu'il faut que tu ailles faire le saraka au village. Tu envoies l'argent à ta mère. L'argent du saraka, c'est 100 000. Elle se fâche avec toi. Elle se fâche. Et comme il n'y a que ta mère qui peut aller faire ta chose, vous pensez qu'il n'y a que votre mère. Cherchez quelqu'un qui a un bon cœur sur vous, pas forcément vos parents ou vos frères et soeurs. Quelqu'un qui. Somebody that means well for you. Look for somebody that means well. Certains de vos parents, vous les choisissez là, vos parents, discrimination. Dans la famille, dès que tu parles là, on sait que ce que tu dis est vrai. On sait qu'il faut faire ce que tu as dit. Parce que les trois autres fois que tu as dit, on n'a pas fait. Il y a le problème dans la famille. Mais parce qu'on voit trop ta lumière briller. Ça énerve tout le monde, même ta mère, ça l'énerve. Soyez prudent quand vous allez choisir.
D'accord, la reine Amel, n'oublie pas. Quand les choses arrivent, il y a un nombre de thèmes. Donc, si vous n'avez pas payé, commandé et payé, on peut pas. On ne peut pas vous les poster. Les choses sont déjà arrivées en France, sont servies ce matin, parce que le vol, ils ont arrivé ce matin. Donc, on va poster France, Allemagne, on va poster en Allemagne et Belgique. Voilà. Certaines personnes dans votre famille sont jaloux de vous. Vous n'avez peut-être pour l'instant, vous n'avez pas l'argent, genre ton grand frère ou ta petite soeur, elle a plus d'argent que toi. Et la personne qui change de compte est toujours là pour venir faire ses bêtises. Tu veux même quoi? Peut-être si tu écoutes ce que je dis, ça va t'aider. Je ne fais pas les publicités. Je ne sponsorise pas ma page. Le maître spirituel qui fait que déranger mes vidéos là. Si tu es assis, tu écoutes ce que j'ai dit, peut-être ça va t'aider, tu vas faire mieux tes consultations. Est-ce que tu as besoin de venir, tu as besoin de mettre les posts chaque jour ici là? Il ne passe pas sur la page, j'ai quand même ma pub. Vous pouvez payer par PayPal, Orange Money, RIA. Pas dire que deux fois par semaine, je n'ai pas retiré l'argent. Parce que là, il y avait toute la ligne trop, ça m'énerve. En deux heures de temps, je n'ai pas fait dans l'autre là, ou une heure de temps pour retirer 100 000 ou 200 000. Avec les une heure là, j'ai fait ma soirée, je pointe. Donc, il faut envoyer par rien. Tu m'envoies sur la photo du tout de l'envoi. Maître spirituel, je t'en prie, écoute mes vidéos, ça va t'aider. Tu as compris? Tu vas apprendre à bien parler. Tu vas parler, tes clients vont t'écouter. Et puis quand tu parles de spiritualité, si tu dois venir forcer les gens pour qu'on t'écoute, ça ne vaut pas la peine. Bonjour le roi Tabéma. Donc certains membres de votre famille seront contre vous. Ils savent que tu as toujours raison. Un jour par exemple, je suis dans un véhicule. On rentrait, on avait voyagé. J'aime bien comme ça voyager donc. On a pris un chauffeur, il nous amène, quand il nous ramène dans la ville, en rentrant, il ne maîtrisait pas la route qu'on a prise. Je lui dis, ne passe pas de ce côté-ci. À côté du stade de Bepanda, il y a des trous, ne passe pas là-bas. Amel Damien, écris-moi inbox, je vais t'envoyer mes détails. Donc, je dis, hein, tout le monde dans la voiture entend. Il m'entend aussi. Il ne fait pas ce que j'ai dit. On est arrivé. L'endroit, j'ai dit qu'il ne passe pas. Il dit qu'il ne passe pas là-bas. Son pare-choc a réquitté. Il m'a dit que ma bouche, là. J'ai dit, ça m'a expliqué, ouais. Ma bouche, là. Quand vous me mettez les choses, ils disent, dès que je s'assois de ma bouche, là. Et la journée, c'est au moins la troisième chose que, avec le groupe de personnes, là. Quand ils disaient, j'ai dit que faisons comme ça, là, partons comme ça. Ils disent que non, 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 partons. Dès qu'on parle, on tombe, on se gâte là-bas. Parce que quand moi je voyage, je ne veux pas m'amuser. Parfois, je veux oublier que je veux l'aspect spirituel là. Même si on me dit quelque chose, si ce n'est pas que les esprits me forcent, je ne veux pas parler. Je veux faire comme si je suis normal, comme tout le monde. Je passe comme ça là. Donc, vous avez les gens de votre famille. Bonjour la reine Ghislaine qui est là. Vous aurez les gens de votre famille. Ils connaissent que quand Jean m'a parlé, on monte, on descend, c'est ce qu'il a dit. Après, on m'a dit que Jean avait raison. Maintenant, étant donné que vous êtes le petit frère, le dernier ou la dernière, et il y en a parmi vous, vos mères. Peut-être dans la mère, quand tu avais peut-être 2 ans, 3 ans, on a dit à la mère que ton enfant s'y a comme ça. Ton enfant a 4 yeux. Ton enfant a ceci. Ton enfant peut faire ça. Quand on dit comme ça là, la mère entend. Hein? Mais elle ne fait rien. Certains de vos mères connaissent que vous êtes choisis. Ils ne vous ont jamais dit. Tu fais les rêves, tu dis, maman, quel rêve, je me vois dans l'eau, je me vois avec les gens. Tu as l'esprit des eaux. Qui n'est pas négatif d'ailleurs. C'est qu'on vous a dit que c'est négatif. Ah d'accord, Damien, c'est toi qui es en train de m'écrire là. Amen. Je vois tes photos, ton truc ici là. D'accord. Je vois ton message, pas de souci. Bonjour la reine Mengue.
Certains d'entre vous, vos parents connaissent. Ce n'est pas le mauvais cœur. Donc, quand j'étais petit, j'avais 5 ans. Quand j'avais 5 ans, on t'a dit ce qui est en train de m'arriver. Toi, ma mère, tu ne me dis pas. Je suis aujourd'hui là, j'ai 30 ans. Ça me dérange. Ça me dérange. Tu ne me dis pas, toi. Esther d'origine française. Écoute mes vidéos, tu n'auras plus besoin de venir dans mes directs de mettre ta publicité. Les gens vont te chercher, Esther. Tu as compris? Avant que je te bloque, tu dois comprendre ça. Bonjour, Germaine. Et certains d'entre vous, quand on est venu parler à votre mère, on lui a dit ce qu'il fallait faire pour que vous puissiez, que vos dons puissent s'ouvrir rapidement. La mère a compris. Mais c'est comme si elle était étourdie. Certains de vos mères vont vous faire des confidences. Elles vont vous dire, vont faire des confessions. Et quand j'avais 12 ans, on était parti dans une église là, un prêtre avait dit, un pasteur avait dit ceci, un prêtre avait dit ça. Te voilà. Amen, je chante de te répondre. Je vous rappelle que mes produits spirituels sont bénis. Mes produits sont très puissants. Donc, je t'ai envoyé la photo du chapeau, je t'ai envoyé le prix. C'est comme ça que tu te retrouves perdu. Tu essaies même de te marier. Oh. Tu essaies ceci, oh. Tu essaies ça. Mais dans tes rêves, tu te vois souvent en train de guérir même les gens. Tu te réveilles, tu fais souvent les rêves. Et quand tu finis de rêver, tu dis à ta mère, ça se réalise dans un jour ou deux. Faites beaucoup attention. Hein. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour la reine Siwe. Bonjour la reine divine. Faites beaucoup attention à vos parents. Regardez les preuves que vos parents ont. Beaucoup d'entre vos parents, ils avaient leur appel dans la jeunesse, ils n'ont pas répondu à l'appel. À un moment, les espoirs ont arrêté même de leur dire. Maintenant, vous, on vous a donné ce don. Et peut-être parfois, c'est quand ils étaient jeunes, bonjour la reine Bénédicte, on a dit à vos parents que ouais, si tu pars, si tu fais le tour de mine ici, là, ça va te. Oh, si tu. Non. Ça ne tue pas. Du coup, ta mère n'a pas répondu à son appel. Elle a détecté chez toi très tôt. Quand tu avais 5 ans, tu commençais à voir les choses. Tu vois les choses sur un tonton, tu lui dis, ça se réalise. Elle ne te dit pas. Que quand tu étais petit, tu avais le don là. Bonjour la reine Opu. Bonjour la reine Nagé, bienvenue. Ok, la reine qui veut 3 chapeaux. Envoie-moi les photos des 3 chapeaux que tu veux, ok? D'accord, j'ai vu 2 photos. Si tu as une troisième, ok, j'ai 3 photos. C'est bon. C'est bon. Mais le ndopé est un peu plus cher. Le ndopé est un peu plus cher que les autres. Tu as compris, non? Je t'envoie mon nom, l'autographe de mon nom, la reine. Je voudrais que vous compreniez que certaines situations ne vont plus vous surprendre. Parfois vous souffrez, on sait votre mère connaît pourquoi vous souffrez. Bonjour la reine Ndje. Vous souffrez, votre mère connaît pourquoi vous souffrez. Quand je consulte les gens, je vois les choses. Bonjour la reine Denise. Merci la reine Preciosa.
elle aurait pu te guider, elle aurait pu t'envoyer chez quelqu'un que. Pas la personne-ci. Quand tu étais petite, elle aurait pu prendre, je sais pas. Non. Ou même encourager seulement. Quand tu rêves, tu vois, tu lui dis. Elle dit oui, 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 oui. Tu rêves, tu vois, tu dis maman, elle te guide, elle te guide. Et certains d'entre vous, peut-être vous êtes en Europe isolé dans votre petit coin, en Allemagne, au Canada, vous parlez seulement avec votre mère. Donc quand vous tombez sur mes vidéos, ça devient genre, waouh, c'est comme si c'est ma soeur qui me parle. Parce que quand tu disais à ta mère, tu dis maman, j'ai rêvé de ça. Ta mère dit oui, 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 ça n'intéresse pas trop. Du coup, ça te frustre. Ça te frustre. Certains de vos parents connaissent. Ils connaissent ce qui vous arrive. Je vais bien la reine Bouma. Bonjour la reine Yaga. Maintenant, je vous annonce quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que vous-même, vous devez vous lever pour vous. La fille, c'est là qu'elle disait que sa mère faisait qu'elle fasse le salaka au village. Je lui ai dit que tu sais que tu n'es plus l'enfant, non? Sylvie la rouge, tu dis que tu ne suis pas joyeuse, c'est toi qui as pris ma joie. Hein? Tu dis que je ne suis pas joyeuse. C'est toi qui as pris ma joie. Quand tu es à grand, hein, commence à chercher toi-même. Cherche toi-même. Pose des questions à Dieu, Seigneur. Guide-moi. C'était d'entre vous. Vous êtes dans les églises, même dans les églises, quand on prêche, posez la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi ce que le pasteur s'est dit. Est-ce que c'est ça? Ce que le pasteur s'est dit là, montre-moi, révèle-moi la Bible. Même quand j'enseigne, je vous dis, demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Et vous allez voir. Parce que je pars toujours du principe que si elle fait quelque chose, ça ne marche pas. C'est un peu comme si tu viens, tu ouvres une porte. Tu as la mauvaise clé. On te trouve depuis 2 heures de temps sur la porte. Tu tournes. On dit, tu fais quoi? Je vais ouvrir la porte ici. On dit que ce n'est pas la clé. Qu'est-ce qui va se passer si tu prends la bonne clé, tu la mets dans la porte du tout? Non, dites-moi. Ça va faire 5 ans pour s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Votre problème, ce n'est pas le temps. Votre problème, ce n'est pas le temps. Et quand j'étais à l'église, c'est un truc qui m'énervait toujours. Un jour, Dieu va m'aider. Un jour. Quand je disais même un jour, là, ça m'énervait même. Que Seigneur, ça fait il y a 10 ans. Un jour, ce sera quand? Seigneur, ça fait 10 ans. Ce sera quand? Seigneur, ça fait 10 ans. Ah ah. Quand? Et c'est comme ça qu'on vous manque souvent pour vous endormir. On fait, tu avais quelque part, tu attends. Oh, je suis ici là depuis 5 ans. Tu sais quelque chose avancé dans ta vie? Non, mais un jour le Seigneur le fera. Je vous dis encore, il y a certains de vos parents qui connaissent comment vous êtes bloqués. Certains sont partis percer vos yeux, vos 4 yeux là quand vous étiez. Quand vous étiez petit. Et non, tu pleurais trop la nuit. Tu voyais trop. Tu voyais. Ils ne vous ont jamais dit. Tu rêves peut-être, tu vois seulement que c'est comme si on te bloque seulement. Tu ne sais pas pourquoi. Tu rêves, tu fais que. Maman, j'ai l'impression que je suis quelque part. Il y a un homme qui est en train d'appuyer ma tête. Il y a un homme qui est en train de. Parce que quand tu étais petit, tu es parti, on a travaillé sur toi pour te bloquer. On ne sait pas que les dons spirituels viennent avec l'argent. Ça vient avec la puissance. Ça vient avec la puissance. Il y en a parmi vous, vous êtes guérisseurs. C'est seulement dans vos rêves qu'on voit, c'est de guérir les gens. Sylvie la rouge, tu sais quoi? Je t'ai dit, moi, je vais te bloquer. Tu as compris? Quand je me dis que je suis fâchée, ne me dis pas que je suis fâchée. J'ai des jours, je viens rire. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis en mode calme, je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas crier. C'est qu'il y a des jours de marche, je suis chaude, je veux beaucoup bavarder. Aujourd'hui, je suis calme. Donc, ne me dis pas que je suis fâchée. Vous devez seulement me connaître.
Chacun doit connaître sa personne. Mais ne viens pas me dire que je suis fâchée. Ne viens pas mettre ta colère sur moi. Je ne suis pas dedans. Tu as compris? Voilà. Quand tu es dans ton appel, premièrement, tu es protégé. Donc, tu rêves que tu guéris les gens. Et généralement, comment tu vas savoir que ce sont tes dons? Dans la journée, dans ta vie normale, les gens vont venir beaucoup te demander conseil. Ils te demandent conseil. Dès que tu les conseilles, pas, ils font. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Et pourtant, toi, tu es dans ton petit boulot, tu touches 1500 euros le mois. Pourtant, ton vrai, vrai boulot. Oui, précieuse, je faisais Patricia Régnier avant. Je faisais Patricia Régnier. Avant, je me décapais la peau. Et moi, quand je fais mes choses, je vends toujours ce que je fais. Donc, quand je disais huile, ça me plaisait. Ça faisait, ma peau était bien. Donc, je faisais des vidéos parler de mon huile. C'est pour ça que vous voyez parler maintenant des produits spirituels. Vous comprenez, non? Et vous dites toujours que tout ce que je vous donne, c'est de donner le thé. Je dis que boire le thé, si. Sache que j'ai bu le thé là, c'était bien sur mon corps. Oui. Vous avez 3000. 3000. 5000. 5000 aussi. Les chapeaux. Les chapeaux, je vais te dire après. Ok, Olivier, j'ai compris. Maintenant, je veux que vous puissiez comprendre. Bonjour, la reine Charlotte. Bonjour, Émilie Foucault. Ne faites pas le. Ne vous embrouillez pas ici sur la page. Ne venez pas vous distraire de ce qu'on est en train de faire. Ok. Bon, je vais lire vos commentaires. Les yeux à beaucoup qui sont évolués. Ok. Bon, je vous savais quoi. Même dans les églises, je suis passée dans les églises. Je vois quelqu'un qui a dit qu'il aime ce que je dis par rapport aux églises, j'ouvre les yeux des gens et tout ça. Pourquoi c'est Cindy Tchou? Bonjour Cindy Tchou. Je suis allée dans les églises, j'ai prié, j'ai fait les Shabbat, bababa, j'ai crié fort, j'ai jeûné. Ça n'avançait pas toujours. Je prends la Bible, je lis la Bible, je sens la puissance en moi. J'ai fait des rêves, Dieu me montre des choses. Quand il commence à maintenant vouloir faire. Les mêmes personnes qui sont à l'église qui m'ont prêché la parole et j'ai cru, j'ai lu, j'ai fait, commencent à dire que non, tu exagères. Jésus dit que si tu crois en moi, ce que je fais, tu vas faire, tu peux encore faire plus. Aïcha, pourquoi tu n'écoutes pas mes vidéos? Ça va te permettre d'attirer tes clients facilement au lieu de venir mettre tes publicités dans mes directs. Donc, quand j'étais dans les églises, j'ai vu les étapes là. On me dit toujours que, oh, peut-être. Non, ta mère qui est morte là, non. Je rêve, je vois ma mère, je la vois dans une lumière, elle vient me parler. Je me réveille, je dis, oh, okay, arrête de moi, Satan. Donc, j'ai rejeté beaucoup de choses. À un moment, j'ai senti le Saint-Esprit m'a dit, pas de l'église. Le Saint-Esprit m'a dit de partir de l'église. Je sais qu'on vous fait le chantage en vous disant, tu ne dois pas quitter l'église. Oh. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, même une fois, il m'a dit, comme tu es parti de l'église, là, le diable va te poursuivre. Ok, je suis partie. Et là maintenant, je suis dans ma quête du savoir. Je veux toujours savoir plus. Donc, quand les gens arrivaient en Angleterre, ils tombaient sans papier, ils partaient faire, ils couchent, ils font les enfants seulement pour avoir les papiers. Je disais, Seigneur, regarde la destinée des Africains, comment ça se gagne. Je suis convaincue que c'est pas le passeport rouge qui nous définit. Je suis convaincue qu'en nous, que tu aies papier ou pas, tu as quelque chose en toi. C'est là que Dieu a commencé à me révéler tout ce que j'enseigne aujourd'hui. Nous sommes déjà des rois. Ce n'est pas la couleur de ton document qui va faire que tu sois quelque chose. La preuve, vous êtes là-bas en Europe. Tout ce que vous avez à montrer sur le passeport. Tout ce que vous avez à montrer. 15 ans de ma vie. Passeport. C'est tout. Venez voir l'insolence de l'argent au pays. Quelqu'un te construit une maison de 500 millions. Un demi-milliard sur une maison. Un demi-milliard. Toi, la maison là-bas pour acheter même seulement la maison de 150 000 euros.
On te dit qu'il te faut 30 ans. Vous voyez le conditionnement? C'est le paradigme. Vous sortez de ça. Donc, je reviens à mon sujet. Je disais ceci. Certaines de vos fonds, votre fondation doit être refaite. Le chapeau en dos, il est là. Le chapeau en dos, je le vends à 20 000 francs. C'est là. Si vous voulez, on met les courriers avant de vous donner. C'est là. Oh, bon, je pose un très bon. Je crois que l'on ne doit pas des vertus spirituelles. Je suis sûre. Sonia, tu dis que je parle bien. Mamie, ça veut dire que je crois que tu es une choisie. Ça, ce que je dis dans mes vidéos, ce sont les choses que les choisis qui ne m'ont jamais écouté. Quand tu restes, tu connectes deux choses, tu te dis que ça là, ça cloche. Et quand tu tombes sur mes vidéos maintenant, ça clique, tu dis, ah mais oui, oui, ça a du sens. Il dit, beaucoup d'entre vous, vos mères et vos pères savent pourquoi vous êtes bloqués. Pour changer, certains d'entre vos mères vous ont passé l'amertume. Donc, ton père a quitté ta mère parce que ta mère, bien sûr, n'a pas travaillé sur elle. Bonjour, Jalison Antonio. Gelson, je vends les chapeaux, ok? On les poste. Vous donnez votre pays, votre adresse, vous payez par PayPal ou Western Union ou bien je prends déjà les bitcoins, j'accepte les bitcoins maintenant. On va vous poster ça. Voilà. Donc, certains, ta mère, ta grand-mère n'a pas travaillé sur ta mère ou bien on lui a rien montré de tout ça. Donc, spirituellement, elle est ouverte. Son énergie était là, elle était exposée. Donc, on pouvait l'attaquer. Elle se marie, on voit comment elle est heureuse avec ton père. Vous voyez, non. Armel Damien, je ne mets pas les coris sur les chapeaux. Ça, c'est mon chapeau. Ceux que je vends n'ont pas de coris. Vous comprenez, non. Ces coris-ci, on les met pour les gens que... Moi, ça, c'est mon grade spirituel. C'est pas n'importe qui met les coris sur le chapeau. Je veux d'abord vous rappeler ça. Donc, même ça, comme j'ai mis là, c'est pas n'importe qui met. Tu ne mets pas seulement parce que, oh, c'est beau, I like it. Non. Non. Parce qu'il y a les chapeaux que quand tu portes, seulement l'onction de ça quand tu déposes sur ta tête, c'est autre chose. Mais généralement, je vous demande quel est le chapeau qui vous attire. Parce que votre esprit, beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous êtes déjà spirituellement éveillé. C'est seulement que vous ne connaissez pas. Tu dis que je ne sais pas pourquoi. La femme avec qui j'ai parlé ce matin, je l'ai eu en consultation, elle me dit, elle a acheté le ndop. Elle ne sait pas pourquoi elle devait acheter le ndop. Elle a dépensé 140 000 pour acheter un tissu de ndop, un morceau de ndop. Elle met souvent sur elle comme ça là. Son esprit reconnaissait qu'il fallait qu'elle ait ça. Maintenant, le grade, on s'éveille à son grade. On s'éveille. Parce qu'il y en a parmi vous, vous êtes des rois et des reines. Vous avez un grade élevé. Mais votre famille a tout fait pour que vous soyez dans l'ignorance. Donc quand je vous vois, beaucoup d'entre vous, j'ai fait la consultation avec vous, je vous ai dit le travail qu'il fallait faire. Au départ, mes meilleurs jours que je vois, je ne peux même, je veux même pas vous faire peur. Il te dit, va d'abord faire étape 1. Si je ne peux pas faire étape 1, ne reviens pas pour faire 2, 3. Donc, on se réveille. C'est pour ça que quand on dit qu'on a volé votre étoile là, non. On l'a seulement fait pour que tu ne te rendes pas compte de ton étoile. Donc, on active ton étoile. Yay, Adama, tu n'es pas fatigué. Quelqu'un fait sa vidéo, tu viens mettre tes trucs, ouais. On s'active. Donc les gens vous disent qu'ils ont pris votre puissance là. Tu vas seulement te rendre compte de ta puissance. Tu vas fermer la porte par laquelle ton pouvoir partait tous les jours. C'est un premier, vous êtes accro à la cigarette. Vous êtes accro au sexe en désordre. C'est pas là comment votre pouvoir sort. Vous passez le temps sur TikTok, vous regardez ma chaîne, vous regardez. Rien qui va te faire. Ok, Damien, tu m'as vu en vision. Hein. Tellement de personnes me voient. Qu'est-ce que je faisais dans ta vision, mamie? Commentez, je vais répondre à un appel.
tu. C'est un qui comme ça qui m'appelle depuis. Tu cherches le ndop, hein? Je vais t'envoyer le ndop. Le ndop plus plus. Bonjour, c'est qui? C'est qui à l'appareil, s'il vous plaît? Tu me bipes. Roger ne me bip pas, je vais te rappeler tout à l'heure. Tu as compris? Oui. Je ne me bip pas, monsieur. Bonjour Léa. Tu ris. Moi, non, je ne veux pas la pauvreté à mon téléphone. Tu me bipes, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. On va parler de quoi? Ouais, blague. C'est pour ça que je vous ai dit, si tu peux pas payer l'argent pour ma consultation, ça ne vaut pas la peine. Parce que le travail qu'il a fait sur toi là, c'est au moins 150 000. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui m'a vu dans sa vision. Je reviens sur ce que je disais par rapport aux fondations. Donc, merci pour les compliments de mon chapeau. Ta grand-mère n'a pas travaillé sur ta mère. Elle n'a rien enseigné à ta mère. Tout ce que vous entraînez ici, vos mères ne connaissent pas ça. Vos mères ne connaissent pas. Vos mères sont souvent les langues comme ça. C'est pour ça qu'on vous cabosse, vous. Parce que vos mères ne faisaient rien. Elles ne vous ont rien montré. Elles ne vous ont rien dit. Et vous aussi, vous ne les cherchez pas. Ta mère était illettrée spirituelle. Maintenant, ta mère t'a passé ça. Toi, tu arrives maintenant. J'aime qu'on m'envoie l'argent, mais j'aime les transferts. Avec plein de zéros. Orange Money. Ta mère. A peur pour toi et elle te couvre. Elle te dit ne fais non, ne cherche pas. Ne Roméo, comme moi, si c'est mon argent, je vais vous laisser d'abord parce que vous le direct là, vous n'allez pas me payer ici maintenant. Quand ils voient mon transfert d'argent, je regarde d'abord mon argent. Tu as compris, non? Tu as compris, Roméo? Ok, donc tu dis que pour me concentrer là, non. Quand elle vous parle, ça va se montrer que c'est là, avec mes transactions. Avec mes transactions, mon argent d'abord. C'est ça qui fait que vous n'attirez pas l'argent, parce que vous n'aimez pas l'argent. L'argent, c'est rien. Quelqu'un me fait une audio hier, il me dit l'argent, c'est rien. J'ai dit, c'est pour ça que tu n'as pas l'argent. Et ne venez pas m'insolenter avec l'argent, genre, comme j'étais payé, ni ni L'argent va commencer à venir dans ta vie quand tu vas donner le sérieux à l'argent là. Souvent, un jour, j'ai une cousine, je l'appelle, je lui dis, je vais donner l'argent à ton père pour le mois. Mais il n'a pas Orange Money, quoi, pas là-haut. Donne-moi, va faire le retrait sur mon numéro. C'est après 2 jours qu'elle m'appelle et me dit, je n'ai pas fait le retrait. J'ai dit, comment ça? Ah! Et elle a la maison chaume, elle ne travaille pas. Elle a la maison chaume. Vous avez fait, je commence à parler fort maintenant. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle était fâchée. Parce que vous ne voulez pas que ma voix s'élève. L'argent, ça s'attrape, ça se garde. Tu attrapes ton argent, tu sors ta dîme directement, tu gardes le reste dans ta poche. Après, tu fais circuler. Il te dit que va retirer l'argent que pour. C'est après 2 jours que tu m'appelles. Dis-moi ça dans 5 minutes et te dis que ma chérie confirme le code. Attendez, je confirme mes transactions financières. J'ai dit que le direct ne sera pas trop long. Je continue. Parfois, quand elle parle, je m'arrête. Je parle d'autre chose. C'est parce qu'il y a quelqu'un dans le direct qui dit que c'est ça que c'était une question que tu avais dans ta tête. Et ton énergie, je peux dire que je capte ton énergie, je réponds à ça. Sonia, j'ai des formations. Vous êtes dans mes directs chaque jour, vous ne venez pas dans les formations. Les formations qui sont en cours. La formation dont je vais vous parler, les frais, c'est 500 000 francs CFA. Dans les 500 000, il y a les produits spirituels d'au moins 150 000 que vous allez recevoir. Cette formation, on va la commencer le 10 décembre. C'est pour les choisis. Donc là-dedans, si vous là que vous savez que vous êtes prêt à passer à une autre dimension spirituelle, c'est pour vous. Donc,
je suis déjà à la quatrième semaine avec l'autopromotion. On a eu des apparitions d'anges dans les maisons des gens. On a eu des confirmations dans les rêves, les apparitions de Vierge Marie. On a déjà que quelqu'un prie comme ça, il demande quelque chose dans la nuit, voit dans le rêve. On a eu trop des ouvertures de dons, trop de choses. Moi, j'ai été envoyée pour activer les rois et les reines. Je suis là, je suis une activatrice. Je suis là pour vous activer. Vous me comprenez, non? Voilà. Il y a cette formation-là. Il y a la formation de trading qui a déjà commencé. Le trading. Trading, c'est 400 000 francs. Il y a la formation de quoi? Formation d'entrepreneuriat spirituel ou bien transformer ses talents en argent. Je vous montre comment utiliser vos dons pour vous faire de l'argent, peu importe le pays où vous êtes, peu importe. Donc, il y a aussi une autre formation que je vais lancer vendredi. On va faire ça sur 6 semaines. Comment découvrir sa mission de vie? Ça, c'est 60 000 francs CFA. La formation, ce sera de vous aider à découvrir ce que vous êtes venu faire sur la terre. Ton argent va commencer à décoller quand tu seras dans ta mission de vie. C'est là que tu vas voir le vrai argent. Tu vas toucher le vrai argent. Et t'es débloqué, tu vas être débloqué. Peut-être que tu es dans un pays depuis 10 ans, ta vie n'avance pas. Peut-être que tu es au mauvais endroit. Pour découvrir la mission de vie, il y a des indices. Est-ce que je suis au bon endroit? Le boulot que je suis en train de faire là, est-ce que je suis en train de faire le bon boulot? Est-ce qu'il y a d'autres choses à côté que j'ai oubliées? Peur. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que ce que je fais là, je fais ça parce qu'il voulait faire plaisir à papa? Comparer maintenant avec les rêves. Même maintenant, la connexion n'est pas toujours bonne. La connexion n'est pas toujours bonne. J'étais sur Wi-Fi, le Wi-Fi dérangeait un peu. J'ai mis mon truc là, mon internet sur mon téléphone. Donc, connectez, dites-moi si vous m'entendez. Ok, on me dit ça va. Donc, vous devez. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que le boulot que je fais, c'est ce que je suis censé faire? Ce sont les choses comme ça qui vont permettre de découvrir votre mission de vie. Et l'argent que je vous demande, il y aura le moment où vous allez me payer 2 millions pour mes formations. Parce qu'il y a un moment où je suis tellement sollicité que l'énergie que je mets pour parler à 5 personnes, bêta, je mets le prix là, je prends le prix de 5 personnes, je combine ça, je dis une personne, je me mets, je parle sur une personne. Donc vraiment, est-ce que je suis dans le bon endroit? Et spirituellement, quand tu sors 100 000 francs pour travailler, sois sûr. 300 000 au moins vont revenir de moi là. Va faire le Saraka, non? Moi, mon argent de Saraka, c'est le même jour que j'ai ça. Quand il passe le Saraka, je sors là et dis que maman va acheter la nourriture là-bas pour, pendant qu'elle a été préparée. 3 fois plus viennent à mon compte. Là. La formation pour découvrir sa mission de vie, c'est vendredi, après-demain. Ce sera à partir de 20h30 du Cameroun. Et quand je fais mes formations, ceux qui sont au Canada et aux États-Unis, j'enregistre, après vous regardez. Donc ne donnez pas les opportunités pour dire que je ne peux pas parce que soit vous ne voulez pas vous laisser aussi parce que je ne force pas les gens pour entendre mes formations. Il y a la formation pour l'entrepreneuriat spirituel, genre pour devenir entrepreneur spirituel. Vous vivez de vos dons. Vos dons ne sont pas pour... Vos dons, c'est pour manger l'argent. Le fait que tu conseilles les gens, ils partent, ça marche là. Voilà tes dons spirituels. Les frères de l'église t'ont dit non, le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur va te bénir. Ma fille, le Seigneur te bénit. Tu as prophétisé sur moi. Il y en a parmi vous, on va vous payer, vous allez prophétiser sur les gens. Et tu prophétises, ça marche. Vous savez même déjà, non? Tu as conseillé les 10 dernières personnes que tu as parlé, ils sont partis faire ça marcher. Dieu est en train de te monter depuis, mais toi, tu es tout là. Ça, c'est la formation pour transformer ses talents en argent, en revenus, en source de revenus. Je vais me mettre la différence entre mes formations. Formation pour transformer ses talents en revenus, c'est 200 000 francs CFA.
Vous m'entendez? Il y en a parmi vous, vous revenez de loin. Il y a une, on a fait la dernière promotion qu'on a fait. Avant qu'elle ne commence, elle est en France depuis 33 ans. Quand on a fini la formation, elle dit, je sais que je dois rentrer au Cameroun. Je le sais donc. Qu'elle parlait, tu sentais la puissance dans ça. Parce qu'elle a découvert l'endroit où elle doit être. L'esprit ne va pas vous cacher, il vous a déjà dit. Mais vous jouez encore un peu. On t'a dit que tu l'attends d'abord les papiers là-bas. Les papiers là-bas vont encore te coûter 8 ans de ta vie. Tu peux devenir milliardaire en 8 ans. Tu peux devenir milliardaire en 8 ans. Milliardaire. Vous n'êtes pas censé travailler pour quelqu'un. Vous me comprenez? Vous avez trop de dons en vous. Même conseiller de business, tu restes comme ça, tu conseilles les gens que pas fait tel business. La personne pas fait sa marche. Monsieur Guy Sioué, contacte-moi une box. Tu me contactes, tu payes seulement. Tout ma page, je fonctionne qu'avec l'âme. Si tu n'as pas le cap, tu fais le virement, je te mets. Donc, pour moi, c'est tic au tac parce que je sais un dieu du tic au tac. Moi, je tic tac. Je ne veux pas les perdre de temps pour pas venir me dire que oh, je vais voir dans 6 mois. S'il te faut 6 mois pour avoir 400 000 francs, c'est chaud, mon frère. C'est chaud. C'est chaud. Je ne veux même pas qu'on parle parce que ton énergie va venir sur mon énergie. C'est pas... Quand je vous parle, vous. Oh, connexion, je vais enlever. Pas sur les données mobiles. Le wifi dérange. Quand je parle, vous comprenez ce que je dis parce que ça résonne à l'intérieur de vous. Là où tu as ton compte bancaire est vide, tu n'as presque pas l'argent. Mais à l'intérieur de toi, il y a une là, il y a dans la consultation, je lui demande que tu aimes beaucoup les films des rois et des reines, non? Où il y a les duchesses, les ducs, les princes. Elle dit oui, elle dit que j'aime les films là jusqu'à. Elle dit que ma chérie, c'est parce que tu sais que tu n'es pas censé être pauvre. Certains parmi vous, vous savez donc. Quelque chose en toi, tu connais. Et ta famille t'a toujours dit, ta mère t'a dit, ah, tu sais, comme je me suis débrouillée, j'ai trop fait, tu es venue en Europe là. Maman, fais ton petit boulot de aide soignante ici, ne cherche pas plus. 2000 euros, 2500 euros chaque mois, pendant 20 ans. C'est beaucoup. Ton argent, ça est censé augmenter. Le mois, si tu as 2000 euros, le mois d'après, tu as 4000 euros. Le mois d'après, tu as 8 000 euros. Le mois d'après, tu as 10 000 euros. This is not blague. This is not blague. I know di blague. I am telling you. Ces derniers temps, si j'ai tellement été béni que j'ai dit, moi, j'ai donné une de mes derniers bénédictions à quelqu'un. Je lui ai dit ça l'autre jour. Il me dit que tu es sûr. C'est trop beau pour être vrai. Tu es sûr. Il dit que papa, pardon. Excuse-moi, s'il te plaît. Vous allez voir que vos projets vont encore. Peut-être que tu projetais acheter ta maison en 30 ans, maison de 150 000 euros. Tu te vois finir la maison dans 2 ans. Voilà l'onction. Voilà ce qu'il vous dit, l'onction de l'argent. Et c'est que vous allez écouter, vous allez dire que c'est trop beau pour être vrai. Ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que vous n'avez pas. Vous voulez que je rie? Non, je ris. Je suis contre l'ignorance. Je n'aime pas l'ignorance. Je suis against l'ignorance. Je n'aime pas. Tu arrives, on te fait souffrir 10 ans pour te donner la carte de 10 ans. Parce qu'on t'a dit que c'est avec la carte là que tu vas maintenant avoir, demander un petit crédit à la banque. Ouais. Dites bouf. Laissez laver l'argent là. Concentrez-vous sur ce qui est à l'intérieur de vous. Oubliez ce que vos parents vous ont dit là. Que dans notre famille, on ne fait jamais, on ne dépasse jamais tel seuil. On doit faire. Écoutez ce qu'il y a dans votre cœur là. Il y a les gens de votre famille qui, quand vous partez au téléphone, vous n'avez plus, vous savez plus ce que vous allez vous dire parce que vous n'êtes plus sur la même fréquence. Ta part de fréquence est trop high. Qui est trop high? Et tu n'as rien contre la personne, tu l'aimes bien. Mais on ne peut plus rester au téléphone 5 minutes. Ça va, oui. tu n'as rien à dire, j'appelais seulement pour te saluer. 30 secondes de silence.
Je vais te laisser. Alors qu'il y a cela 5 ans, vous étiez les meilleurs complices. Hey, oui, hey, tu as vu le gars là, regarde l'habit qu'il a porté. Maintenant, tu n'es plus dans les conversations des habits. Les habits. Tu crois que tu as appelé. Tu crois que tu es un roi, que tu vas changer les lois dans ton pays. Vous croyez que c'est dans n'importe quelle famille qu'on va accepter jusqu'à ton père va te dire que mon fils, un jour tu vas changer les lois au Parlement. Tu vas être sénateur. Qui, quand? Eh non, non, dans notre famille, non. Et je ne veux pas vous mentir. Moi, j'ai toujours eu ce cœur du lion là que. Quand il était petit, il savait toujours. Donc, il savait toujours que je peux. On ne peut pas changer ça. Pourquoi c'est comme ça? Et vous dites, bientôt vous me lancez dans la politique. Attendez-moi dedans. Attendez-moi. J'arrive. Est-ce qu'il y a des lois qu'on va changer dans notre pays? Si tu n'as pas le cœur de ça, oublie. Quand tu es dans ton appel, même les dieux me mettent leur main sur toi, que ne la touchez pas. Tu fais ta campagne, tu n'as pas besoin de financement de quelqu'un. Tu sors l'argent cash, 500 millions, tu fais ta campagne. Vous parlez de quoi? Pardon, laissez-moi comme ça. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas arriver. Donc, c'est nécessaire pour vous de refaire vos fondations. C'est-à-dire, vous coupez les malédictions générationnelles qui vous ont été passées par papa, par maman, que vous-même vous avez déjà donné à vos enfants. Vous coupez. Ceux qui ont fait ce travail avec moi, vous connaissez. Il y a les voiles de vieillesse qu'on vous a donné dans vos familles qui font que tu as quelque part, on ne sait pas pourquoi. Quand on pense à toi, on ne veut pas te donner ce que tu veux là. On ne veut pas. Maintenant, tu dois couper. Je ne m'identifie plus à ce qu'il y a de négatif qui vient de chez papa. Que ce soit les pactes qu'ils ont signés ou les accords, je me sépare. Au nom de Jésus. Bon, j'ai une formation sur ça. Donc, ceux qui ont déjà fait ce travail de fondation avec moi, la spiritualité, il y a le checklist. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu dois savoir, est-ce que j'ai coupé mes fondations négatives et check. Comme quand tu es catholique, non. Tu as fait le baptême, tu as fait la communion, tu as fait la confirmation, tu as fait le... Voilà, c'est comme ça. On met sur le check, c'est comme ça. Pauline. C'est toi, Pauline, que je ne te trouve plus sur WhatsApp, là, c'est toi. Bon, si c'est toi, tu dis, c'est pas toi, c'est pas grave. J'avais une personne, une Pauline, là, dans mes formations. Elle a disparu, donc. Bon. J'ai ma Bible, je ne l'ai pas sur la table ici. Il y a des versets comme Zacharie 4, 3, versets 4 et 5. De naissance, il y a des vêtements sales qu'on a mis sur vous. Que vous le voulez ou pas, hein? Que vous le vouliez ou pas. Et il faut enlever. C'est ça qui te suit depuis. Il y en a parmi vous, dès que je commence la consultation avec vous, dès qu'elle te voit comme ça là. J'ai même consulté une dame ce matin. Je la consulte à 7h. J'ai fini la prière tôt parce qu'il fallait que je la prie. J'ai commencé à 6h45. Oh oh. On parlait, elle avait vraiment un voile. Le voile qui fait que les gens te détestent bien, on ne t'aime pas trop. On finit la consultation, je lui dis, bon voilà, tu vois ton travail que tu vas faire. Elle me dit, ok, je vais voir. Elle est tout, quand vous finissez avec moi, vous hésitez encore un peu là. Elle dit que je vais faire ça aujourd'hui. En sortant, elle oublie sa carte bancaire. Elle entre dans le bus ce matin, une heure après qu'on ait parlé, elle ramasse 20 euros. Je lui dis que mamie, t'as pas d'argent, t'as pas d'onction qui est en train d'arriver là. Elle a ramassé 20 euros. Et quand elle me dit que non, je vais faire le transfert là maintenant, que je vais payer mes produits là maintenant. J'ai ri à cause de moi, je dis vraiment, vous ne le connaissez pas parfois, vous ne le connaissez pas. Bonjour Carole, la reine Carole, comment tu vas? Tu m'as trop fait rire. Il y a des choses qui vous suivent, bonjour le roi Thionan. Il y a des choses qui vous suivent, les peurs de vos mères sont en vous.
Maman avait peur que papa l'a quitté. Toi, tu as grandi en ayant peur que ton mari te quitte. Tu es marié, divorcé maintenant. Le père t'en fait partie. Tu as les peurs de maman en toi. Quand il parle de couper les malédictions générationnelles, c'est quelque chose qui t'a passé, c'est encore là. Et tu as allé passer ça à tes enfants. Vous comprenez maintenant quand il parle de refaire les fondations, non? Parce que ce sur quoi tu essaies de construire, et ça bouge. Donc tout ce que tu plantes, ça tombe. Ça tombe, ça n'a pas été nettoyé correctement. J'ai eu une dame ce matin en consultation. J'ai quand même consulté assez tôt aujourd'hui. Elle me disait qu'elle allait voir un prêtre exorciste. Il lui a fait le travail des fondations aussi. Je vous dis que les prêtres utilisent mes choses ici là. Je vous dis. Comme souvent vous dites, mais dites que vous maîtrisez là. Comme vous venez souvent vous dites, certains disent que je suis sorcière. Ils disent que j'aime ça avec plaisir, je suis sorcière. Hein, Stéphanie, tu connais, j'ai vécu, j'ai pas vécu, je partais à Londres souvent pour les fêtes, mais j'ai vécu à Birmingham. I used to be in Birmingham, not in London. Donc, il y a les fondations négatives que vous devez couper. Vous-même, maintenant, quand vous coupez maintenant, votre vie commence à partir de vous, votre aura. Et maintenant, tu replantes maintenant ce qui est positif. Et dans la formation, je vous donne justement les versets de la Bible. Je vous explique, parce que j'ai vraiment le don de l'enseignement de la parole. Je peux te prendre un verset biblique, on t'explique ça. On peut au village, on fait des sacrifices ensemble. Dans la Bible, bâton de commandement, je vous ai expliqué, non. Ceux qui n'ont pas encore commandé le bâton de commandement, là, vous n'avez pas encore pris pourquoi. J'ai un de mes petits frères. L'autre jour, ça fait un mois, on a un business qu'on fait, on traite ensemble. C'est pas un petit frère biologique, hein. J'adopte les enfants tout le temps. Donc, j'ai raconté l'histoire hier dans le groupe privé. J'étais chez lui et le jour-là, l'esprit me dit, donne-lui un bâton de commandement. Oh là là, Roméo, les psaumes sont nécessaires dans ta vie. Il y a les psaumes, il y a la Vierge Marie, le chapelet. Ce sont les mystères que tu dois engager. Ok? Continuons. Donc, je lui donne donc ce bâton. Mais ce bâton, je n'ai pas identifié ses pouvoirs parce qu'il est encore un peu fermé. Son esprit est encore un peu... Genre, je veux que celui dise à le bousquer. Donc, je lui ai donné le bâton de commandement qui n'avait rien. C'était juste un bâton normal sans rien. Donc, il y a les bâtons, on peut mettre des animaux. Si tu as déjà identifié l'animal, un de tes animaux spirituels, on te met ça sur le bâton. Donc, je lui donne ça. Quand il reçoit ça, il dit que j'ai fait quoi avec? J'ai fait comment? Je lui dis que dépose devant ton bureau. Il dépose. Maintenant, hier, je lui dis ça fait un mois et demi. Hier, il arrive dans mon bureau. Il me dit, j'ai lu sur le bâton de commandement là. Bonjour, Simo Timon. Il me dit que, mince, le bâton de commandement, est-ce que tu sais que ça donne le courage? Ça protège des mauvais esprits. Est-ce que tu sais que ça... Je sais que ça, il le regarde. L'ébène dans le monde spirituel, l'ébène, c'est l'un des bois les plus puissants. L'ébène, c'est l'un des bois les plus puissants utilisés en spiritualité. Donc, ce n'est pas à négliger. Maintenant, laissez le bâton vous parler. Ça parle en fonction de votre esprit. Vous comprenez, non? Les vertus du bâton, le bâton va se révéler à vous. Il y en a, c'est quand tu prends seulement, tu parles au bâton dans ton esprit. Comme on parle aux arbres. Je crois que ici, vous êtes ici, vous êtes encore sur ma page, ça veut dire que spirituellement, vous êtes là quand même un peu réveillé. Vous savez qu'on parle aux arbres, non. Vous savez qu'on parle aux animaux, non. Aux bébés, non. Vous savez, non. Ok, continuons. Donc, parle au bâton. Demande-lui de te montrer. Il y a aussi les cristaux. Vous pouvez aussi demander aux cristaux de vous montrer. Parce que quand je reçois ceci, cette chose vient s'adapter à mon énergie. Bonjour, la reine Jacqueline. Et
répondra d'une façon particulière à mon énergie. C'est un peu comme si ça se personnalise sur moi. Donc quand je demande au cristal, comment t'utiliser? Et là j'attends. J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube l'autre jour. S'il vous plaît, connectez-vous sur YouTube, abonnez-vous. Je mets souvent, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous sur YouTube. Je mets de longues vidéos là-bas. Je mets des vidéos peut-être 10 minutes comme ça où j'explique des petits trucs. Ici je fais les directs, je mets les petites vidéos. Mais sur YouTube, je mets les longues vidéos. Pas les directs. Donc, l'outil spirituel va te dire comment tu vas l'utiliser. Ce que tu vas faire avec lui. Un bâton de commandement, quelqu'un peut prendre, il guérit avec. Donc quand il prend, il dépose, je dois tout guérir. J'ai un autre là, il est dans l'information aussi, un autre de mes fils spirituels, il dit, quand je lui ai envoyé un de ses bâtons, avant qu'il le reçoive, quand le bâton était encore en route, il a eu un rêve et il s'est vu en train d'utiliser le bâton. Donc l'esprit lui a montré ce qu'il doit faire avec le bâton. Et lui d'ailleurs, il est dans l'information spirituelle, la formation un peu plus intense dans le spirituel qui commence le 10 décembre. On se voit que vous avez dit que cette formation-là, c'est pas pour, si vous voulez, dandiner un peu là, non, non. Parce que quand vous commencez ça, vous serez attaqué, mon frère. Ton mari va se réveiller la nuit pour dire, chérie, pourquoi tu as envoyé 500 000 à la fille là? 500 000, c'est presque 900, je sais pas, 850 euros. Tu l'envoies 850 euros, pourquoi? Les problèmes, je sais même pas ce qu'il y a au boulot, peut-être problème, je sais pas. Bon, c'est vraiment, il faut être que tu dois décider. Parce que, il y a des esprits négatifs qui ne veulent pas que vous découvriez vos pouvoirs, que vous utilisiez vos pouvoirs. Parce que si vous découvrez, ça va vous faire prospérer. Mes pouvoirs sont là pour me protéger, pour me faire prospérer. Vous comprenez, non? Voilà. Ce sera tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ok? Si vous avez déjà certains des outils là chez vous, utilisez-les. Ceux qui ont acheté le Ndof et tout ça, on va vous les poster déjà à partir de demain. Bon, si vous avez des chapeaux que vous avez vus sur mes directs, prenez les photos et puis vous me... Il y a les chapeaux comme celui-ci. Ici, actuellement, je n'ai pas tous les chapeaux. C'est là dehors. Il y a ça. Vous venez, prenez des captures d'écran. J'ai fait un direct hier, j'ai montré tous les chapeaux. Vous allez dans le direct là, vous regardez. OK? Et puis, vous me contactez inbox. On poste partout. Vraiment. Même au Qatar. Ne me dites pas que je suis au Qatar, on ne peut pas m'envoyer. OK? Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. Si vous n'avez pas encore fait votre travail de briser les fondations négatives, faites-le. C'est nécessaire. OK? Bonne journée.